Nouveau portrait de Berouin et on a de cesse de vous présenter ceux qui font la vie au quotidien à Berlétang et il va se présenter. Oui, bonjour, Vincent Minervini, 38 ans. Oui, habitant. Oui, et habitant Berlétang, mais surtout, chose importante, je vois le t-shirt, je vois la casquette. Tu as une actualité riche en ce moment, hein. Je crois que tu as ouvert un atelier. Oui, tout à fait. Donc, j'ai ouvert un atelier de réparation vélo, donc musculaire et électrique. Voilà, donc j'ai fait plusieurs activités. Je peux me rendre à domicile pour les réparations, surtout dans certaines campagnes qui ont un petit peu de complications pour venir chercher des pièces. Et, alors, qu'est-ce qui t'a amené justement à t'intéresser à réparer les vélos? Je crois que tu es un passionné du cyclisme. Alors, moi, je suis un amoureux du vélo depuis que j'ai 2 ans. Je fais du vélo sans roulette. Je suis passé par le BMX, le VTT de descente. Je crois que tu fais partie des clubs de Berlétang d'ailleurs. Hein. Oui, tout à fait. Donc, je fais partie du club de la Multipole. Mmh. J'aide aussi le club de Léo Lagrange. Oui, le cyclotourisme. De cyclotourisme. Et je suis aussi un petit peu pratiquant au niveau du triathlon. Donc, ouais. Le vélo, c'est vraiment c'est ma vie, on pourrait dire. Tout à fait, voilà. C'est un élément essentiel de ton quotidien. Alors, justement, je reviens sur la Multipole, le CCMEB, hein, le cycliste compétition Multipole et Tandberg. Là, je crois qu'il y a une actualité de mise. Il y a une section VTT qui va s'ouvrir. Tout à fait. Donc là, on a déjà fait la journée des associations. Mmh. On a eu déjà quelques inscriptions. Je commence donc le mercredi. Les mercredis qui auront lieu en septembre. Mercredi et samedi. Donc, on va faire sous forme d'essai. D'accord. Mais le VTT est quand même une pratique qui est très ludique et qui peut amener, suite à ça, à aller vers de la compétition, donc entre autres le cyclisme, qui est quand même le fer de lance du club de la Multipole. Mais à partir de là, ça peut aussi générer la passion pour le cyclisme traditionnel, pour les plus jeunes ou les moins jeunes. Voilà. En sachant que la ville de Berlétang est vraiment devenue un fer de lance du cyclisme, avec d'abord ses clubs, l'Avenir Cycliste Berrois pour les plus jeunes, le cyclisme compétition Multipole et Tandberg pour la compétition, la maison pour tous Léo Lagrange avec sa section cyclotourisme pour les amoureux bien sûr de la route et les seniors essentiellement, mais surtout il faut rappeler que début février de l'année prochaine on va accueillir la première étape du Tour de la Provence, preuve que la ville de Berlétang s'est investie avec aussi désormais très bientôt un pratice pour aller jusque à Champigny pour découvrir les parcours qui existent sur la ville. Et je crois que là-dessus tu es un fer de lance, hein. Tu connais bien les parcours. Ah, tout à fait, oui, j'ai réussi un petit peu à savoir le parcours. C'était aussi une idée, donc ça prouve bien que mes idées se rapprochent avec celles de la collectivité actuelle. Et je peux amener, contribuer à aider un petit peu sur cette partie-là. Effectivement, dans le développement de mon activité cycliste, je m'arrêterai pas qu'à la réparation, bien évidemment, et à l'encadrement. J'aimerais aussi aider à la mobilité. Tout donc avec l'explosion du vélo électrique, ça peut... Et des aides qui sont apportées aussi de l'État pour ça, pour la mobilité, le déplacement. Je pense qu'on peut faire quelque chose avec une piste cyclable, une magnifique plage qui est d'ailleurs passée dans le journal il y a quelques temps. Qui était quand même vanté, même des personnes de Istres avaient un petit peu... La promenade ici, voilà, même hein, la promenade, voilà. Tout à fait, qui ici est un très 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 beau départ. Et d'ailleurs, ça sera le départ de la course tout à fait. Du 2 octobre, voilà. Et celle aussi, normalement, de février, tout à fait, si 2020, je dis pas de bêtises. Tout à fait, 2022, en revenant sur la course d'octobre, parce que ça, c'est le CCMEB, c'est le fameux souvenir Jean-Luc Farin, qui initialement est prévu au mois de mai. Elle se fera là le 2 octobre, avec aussi une particularité, c'est qu'on va rendre hommage à un autre monsieur qui s'était largement investi, que tous les Berrois connaissent bien, c'est Robert Picot. Et là, je crois que toi, tu as eu l'occasion de le côtoyer aussi. Alors, tout à fait. Robert Picot, c'est une figure emblématique du coin en cyclisme. Donc, moi, j'ai commencé il y a déjà une dizaine d'années au sein de Vitrolles. Mmh. Et on a toujours eu Vitrolles, Ber, on a toujours été ensemble. D'accord. Voilà, on a toujours roulé ensemble et ça a fait partie des, comme j'appelle, anciens. Oui. Qui m'ont appris à savoir rouler en groupe, en peloton. Baisse la cadence, pourquoi t'accélères, limite me mettre un coup derrière le casque. Bah, c'était un prof, hein. Voilà. Et je pense que voilà, c'est une grosse perte, mais bon, on a quand même cette image de et on l'a dans le cœur, passionné. Hein, on l'a dans le cœur, tout ça c'est fait. Plus important. Dans le cœur. Et on rappelle que ça sera le 2 octobre. Alors pour terminer, pour conclure, très bientôt tu auras une officine qui s'ouvrira à Berlétang, donc on aura l'occasion de venir à ta rencontre. Bien évidemment, je vous invite à venir faire un tour donc dans mon atelier. Pour l'instant, je crois que tu as une page Facebook hein, déjà. J'ai une page Facebook, Instagram, vous pouvez me retrouver, j'ai même un site internet. Là, à partir de là... on pourra déjà prendre contact. Vous savez que je peux venir à domicile.
dans l'attente d'avoir un lieu où on pourra se retrouver et que je compte rendre convivial et chaleureux. Et très attendu par les Berrois. Tout à fait. Et n'importe quel pratiquant, parce que bon, moi, je suis pratiquant de BMX, comme je vous ai dit, jusqu'au vélo de route. Tout à fait. Et trouvera donc son bonheur. Il n'y aura pas de différence pour moi. Voilà, il fait bon vivre à Berlétan en tout cas. Tout à fait. Et alors aujourd'hui, pas de vent, il fait magnifique. C'est le temps idéal. Voilà. On est parfait. Vincent, on se donne rendez-vous dans quelques temps pour l'ouverture de cet atelier. Bien évidemment, je vous attends. Très nombreux. Merci à toi. Merci à toi. À bientôt. Merci.